Bienvenue sur ton défi hebdomadaire Phasmophobia et cette semaine, Brillant dans le noir. Si tu n'as pas vu les défis précédents, bah, je te les mettrai dans la description. Alors, je ne mets pas toutes les semaines le défi de la semaine parce qu'il y a des fois, le défi, il est vraiment pas bien et on le rage quitte et tu peux pas m'en vouloir parce que faire une école sans santé mentale et sans lampe, je trouve pas ça intéressant. Donc voilà, désolé si des fois, il y a des semaines où il n'y a pas le défi de la semaine. Cette semaine, est-ce qu'il va être sur YouTube? Bah, on va voir. En tout cas, c'est sur la Edgefield, map que j'apprécie. Brillant dans le noir, on aime les choses qui brille, ça fait plaisir. Certains objets de notre inventaire ont cessé de fonctionner. J'ai peur que ça soit sans lampe, par contre. J'espère que ceci suffira pour que vous puissiez voir. Eh ben écoute, le chat est chaud, le beat est bon. Je te rappelle que le mode défi, il faut réussir 3 fois à trouver le fantôme d'affilée. T'es pas obligé de survivre, hein. Du moment que tu trouves le fantôme, on est bon. Et ça te fait 5 000 $ et 5 000 d'XP. Et t'as même pas besoin de mettre le matériel. Et c'est ça qui est bon. Let's go, baby. Et le chat est content, il a un golden kappa. Oh putain, le tiers 1, excusez-moi. Ok, pas de lampe. Pas de lampe. Matos tiers 1. Ok, c'est pas grave, ça va, c'est Lightfield. Lightfield sans lampe. Si on a électricité, ça va. J'imagine qu'on a les 3 preuves. Oula, oula, je vois pas l'électricité. Attends, me dis pas quand. Ok, sans lampe, sans électricité. Ok. Oh, hésite pas aussi à claquer ta Oli, évidemment, YouTube, tu as le lien en description, sinon c'est le code Mr. Thibaut, tout simplement. D'ailleurs, la Daiquiri Dolphin, là, c'est un banger. Bon, bah, on va commencer. Vas-y, on va commencer comme ça. On n'a pas la vision nocturne, j'imagine. Ah non, on n'a même pas la petite lampe, ok. Donc, j'imagine qu'on n'a pas le courant. Je vais quand même aller voir. Même si je pense pas. Ouais, le courant est cassé. Ok, le courant est cassé. Bon, c'est pas trop grave. C'est un peu chiant. Au pire, vous pouvez un peu... si vous voulez gruger, vous pouvez gruger. Vous faites luminosité, vous mettez à 250. Vous y voyez un peu mieux. Bon, c'est pas... Ok, on va jouer le jeu, on va jouer le jeu. Où êtes-vous? Ah, mais du coup, j'ai le temps des jeux. Si c'est un entouche, je suis dead, en fait. Si j'ai un entouche, je suis dead. Et donc, du coup, je peux pas trouver la salle avec la température. Parce que... Bah, parce que j'ai le souffle dans toutes les salles, en fait. Et j'ai pas la caméra non plus. Eh ouais, vous voyez, j'ai le souffle dans toutes les salles. Ah ouais, un peu chiant. Mais ça implique de la phasmoscience qui est pas déplaisant. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Par contre, faut qu'il touche une porte, faut qu'il fasse un truc. Oh, 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 oh. Attends, c'était où ça? C'était en bas? Non. Piano? Sérieux? Ouais. C'était là? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Ah merde, attends, j'ai pas lancé ça. Ok. Le MF, j'ai pas eu le temps de voir s'il était 5. C'est la tasse là qu'il a touché. Ok. Le piano, je sais pas, hein, vous avez rêvé, y a pas de piano ici. Wow, c'est quoi ce délire? T'y vois plus rien? Oh, c'est nul ça! Ok, y a un petit bug lumière, ok. Ok, on a trouvé la salle. On va mettre le... Ah, j'ai pas regardé si on avait un temps de préparation. Ça avait pas l'air. EMF5? Ça, c'est de l'EMF5, ça, hein. EMF5. Il y a un piano salle à manger. Non, mais il y a un piano au rez-de-chaussée, mais il n'y a pas de piano à l'étage, je crois. Je sais pas, je vais regarder. Attendez, il faut juste que je répare la spirit box. Parce que moi, j'ai besoin d'un logiciel pour la spirit box. On va aller placer ça et les dots, les magnifiques dots. Donc là, vous avez un goriot, vous êtes baisé, quoi. Okay. C'est bizarre qu'on en... Alors, ou alors, c'est un fantôme qui me suit. Et quand je suis allé au garage, il est... Il est allé vers... les dots, on va les poser comme ça. Hein. Pas se prendre la tête. On va regarder vite fait. Petite empreinte. On a l'air d'avoir toutes les cachettes par contre. Ça, c'est cool. Okay. On a de la glaciale. Putain, par contre, ce qui est bien, c'est que la glaciale, elle est automatique. Ok. Bon, bah, il n'y a plus qu'à voir. Est-ce qu'on a spirit ou... Où êtes-vous?
Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Et puis le djinn sans électricité aussi. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Mais si on allait... Oh, l'écriture! C'est une ombre. Première game, ombre. Bon, bah, je suis content qu'on ait les trois preuves. Ok, première game, ombre, c'est parti, ça dégage. Si c'est bien un EMF5 que j'ai vu au tableau. Si c'en est pas un... Mais bon, on va mettre ombre. Voilà, comme ça, on perd pas de temps. Pan, ça speedrun, ombre. La santé mentale a pas l'air de descendre si vite que ça, tu vois. Je suis toujours à... Donc peut-être que la perte de santé mentale est plus faible. Elle est peut-être un peu plus faible. Par contre, tout à l'heure, en solo, j'ai eu un spec qui avait le même comportement qu'une ombre. Ouais, mais des fois, c'est ça. Des fois, c'est ça. Bon, bah écoute, ombre. Bah écoute, ça s'est passé très bien. 3 minutes 44 pour trouver une ombre. Eh, on est bien. On enchaîne, même pas de page de pub, on enchaîne. Avec ma copine, on s'est ambiancé sur ta musique ce week-end en voiture, c'est vrai. C'est ça qui est bon. Attendez de voir les nouveaux génériques qu'on vous prépare. Ok, donc le temps des jeux n'est pas obligatoire. J'ai juste pas eu de chance. On n'a pas de temps de préparation. Comment j'ai su pourquoi pour l'ombre? Comment ça, comment j'ai su quoi? Coucou, je revais de te voir. Elle est direct, trop cool. Je kiffe trop tes vidéos. Et merci beaucoup, Max. Ça régale. Alors, est-ce qu'on a un objet maudit? J'ai même pas fait gaffe d'ailleurs. Pas le temps de niaiser, tu vois. Pas le tarot, pas le miroir. Est-ce qu'on a la Ouija? Ouais. Et on a toutes les cachettes, donc on a bien toutes les cachettes. Intéressant. Ouais, donc le mieux c'est de commencer Glow Stick, EMF, et puis après Spirit ou pas Spirit, quoi. Oh, oh, oh! Oh, le petit EMF5 là, hein? T'as cru que t'allais m'avoir, enfoiré? Ok. On va commencer à l'étage. Y a pas de soucis, Vaxpax. J'ai compris ce que tu voulais dire, c'est le principal. Alors attends, faudrait qu'on repère. Il avait l'air d'avoir bougé des objets ou des portes. Là on a une porte ouverte, mais on n'a pas d'objets qui ont bougé. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Ah non, on n'a pas toutes les planques. Ok. Ah ouais. Oh putain, j'ai aucun casier. Ok, j'ai rien dit, j'ai juste eu de la chance tout à l'heure, j'imagine. Ok. Bon, écoutez, on n'a rien ici. On a un objet qui a bougé là. Bon. Il est peut-être en bas. Hein. Aucune chaussure qui bouge, rien du tout. Il a forcément fait quelque chose, hein, vu ce qu'on a vu à l'activité. Je vais aller voir en bas et à la cave. Peut-être ici. Il a peut-être bougé une télécommande ou un truc. Ah, bonjour. Putain, ça mange des wings et ça débarrasse même pas la table. Ah bah bien. Alors. Ah mais je suis con, on n'a pas le temps des jeux, je peux checker le thermomètre. Bah ouais. Désolé. Je suis un peu con. On va aller voir la cave. Alors, cave, qu'est-ce qu'on a? Température ne descend pas, donc il est pas à la cave. Le salon, ça descend pas. Le garage. Est-ce qu'on a les casiers garage? Yes. Garage, ça descend pas. Garage, ça descend pas. J'ai de petits problèmes de température. Garage, ça descend pas. Me demandez pas pourquoi. J'en ai absolument aucune idée. Ok. Ouais, c'est exactement ça. C'est... Voilà. Ok, il est bien en haut. Oh, on a trouvé la salle. J'ai enfin trouvé la salle. Golden Kappa. Ok, on a le... Ok. Est-ce qu'il a touché quelque chose? La lumière, ça marche pas. Le patron devient fou. Non, mais il y a un moment, il faut s'occuper. Tu sais, des fois, ça m'arrive d'oublier que je suis en live, des fois.
Je suis en mode dans ma tête, je fais ma game Phasmo et je fais oh, ah bah oui, c'est vrai qu'il y a 700 personnes, j'avais zappé. Pardon, excusez-moi. Ah, bonsoir. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Connaissez-vous Cana Plantation? Avez-vous des petits problèmes de communication? La spirit, elle marche pas. Où êtes-vous? Ok. Hey! Calme-toi! Ok, pas d'empreinte. Mais tu vas arrêter de d'agresser ces pauvres portes qui t'ont rien fait là? Attends, pourquoi j'ai le souffle là? Oh la pute. Pardon, excusez-moi. Oh la bougresse. Il est là. Il a peut-être changé de salle du coup. Ok, donc là il a un toucher, pas d'empreinte, ok. On va toujours vérifier deux fois hein, pour le bac. On va caler ça, la spirit, le dots. J'ai les problèmes. Où c'est que je vais le mettre ce dots? Je peux le mettre là sur la marche? Oh ouais. Ouais, c'est pas mal. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? J'ai pas. C'est vous qui avez fait ça avec le livre? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous jeune? Êtes-vous vieux? Où êtes-vous? Êtes-vous un homme libre? Tu veux pas répondre, hein? Je vais la laisser allumer. Pas de glacial. Cherchez un deuxième dot. Le petit slide du livre, tu l'as vu? Ouais, le capa doré, profitez-en dans 24, dans 24 heures, il n'y en a plus. Bon, bah écoute, je vais mettre un cruci, hein. On est à combien? 55, ça devrait pas tarder. Il fait pas grand-chose, hein. Il fait pas grand-chose. J'ai un petit problème de poltergeist. Pourquoi il attaque déjà? C'est Raiju du cul. Raiju du cul. Vous avez vu, il accélère, il ralentit et il a attaqué au-dessus de 50. C'est une Raiju. C'est une Raiju. C'est une Raiju. Ah mais moi j'ai tout un album. Le nouvel album de Jean Phasmo. Ok, bon bah let's go. YouTube! Je te mets une petite pub quand même, faut pas déconner. Deux games sur trois de validés, on se retrouve pour la dernière, après cette petite page de pub. Comment on a le Capador? Ah, c'est trop tard, le Capador, il faut avoir un train de la hype goldé, comme on dit dans le métier. Ok, let's go. On a affaire à Katiana. Katiana, Katiana, très bien. On a le temps venteux. Ce qui est cool, puisque normalement toutes les salles sont d'origine à 10-12 degrés quand t'as le vent. Ok. Bon bah écoute, on est parti pour essayer de trouver la salle. On va aller à l'étage direct. Tout à l'heure, il était à l'étage. On va commencer par la chambre parentale. Salut, j'ai rien. Tu vas bien? Ok, il n'est pas là. On va regarder un peu les planques quand même. À l'heure, on n'a pas de chance. Là, toujours pas. Ok, couloir, ça descend pas. Là, on n'a pas la planque non plus. Oh, on a peut-être les planques comme en mode expert ou en mode cauchemar. On n'a pas l'air d'avoir grand-chose. Hein. Là, on a une planque ici. Oh! C'est la chaussure qui l'a touché? Ou c'est un objet? Attendez, j'ai entendu un truc. Qu'est-ce qu'il a touché, chat? Vous avez entendu ou pas? Oh, l'os. Tu posais comme ça sur la boîte au calme. Non, il est.
Il est couloir, c'est bien ce qui me semblait. Il est couloir ou chambre à côté. C'est possible. Alors, je pense qu'il est couloir. Des bisous, maman. Je pense qu'il est couloir. Je vous rappelle, hein, demain, Autopsie Simulator. Ah, tu vois, il est là. Autopsie Simulator en avant-première demain, mesdames et messieurs. Eh oui. Et ça, c'est beau. Ok. Oh, ça a pas la tête. Ah, bah, elle est dans sa chambre, la gamine. Tiens, mets-toi ça dans le fion et puis on regardera combien t'as. Ok. On va aller faire un spirit. Événement chantant, petite banshee, pourquoi pas, petite banshee, ma manovis, je viens d'aller se coucher. Comment tu fais pour mettre le chronomètre en même temps que jouer? J'ai un logiciel exprès pour ça. Qui s'appelle Live Split, il me semble. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous jeune? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Shut the fuck up! Comment ça, shut the fuck up? Non mais comment tu parles? Oh l'autre, il fait 14 cm en garde à vous, il me dit shut the fuck up! J'y crois pas! Oh la vilaine! Non mais la jeunesse, hein. La jeunesse se perd, mesdames et messieurs, hein. La génération TikTok, non mais oh! Ça sait plus écrire, ça sait plus parler, y a plus de respect. Ouais, joue avec tes cubes, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Oh, t'essaies de m'agresser avec tes cubes. Je t'en mettre une, moi. Non, mais oh. Shut the fuck up, non mais j'y crois pas. Je vais te faire respecter tes aînés, moi. Eh, hey, mais les dots, là. On va chercher les autres dots, c'est l'écriture. Il n'y a plus de respect, mesdames et messieurs. Il n'y a plus de respect. Éduquer des enfants, c'est devenu compliqué, hein, en 2024. Hein. Putain, t'es obligé de serrer. Hein. Je suis à combien? 58% déjà? Ah non, 68. Ok. Elle a peut-être 80 ans et c'est une naine. Non, non, je pense pas. Tiens, prends. Oh putain! Et Dos Tyrin, c'est le meilleur jumpscare de Phasmo, je trouve. Bon, il nous manque la troisième. Faudrait qu'elle touche une porte. Ah bah tiens, je vais aller chercher un appareil photo. Comme ça, je vais aller documenter ce irrespect total là. Faut l'exorciser au fusil à pompe. Bah, peut-être pas, faut pas abuser non plus, hein? On a tous eu envie de se rebeller contre la société à un moment. Mais bon, la meuf, je la connais pas. J'arrive, je lui dis quel âge avez-vous? Comment allez-vous? Tu vois, elle est normale. Elle me dit shit de fuck up dès le début. Hein. Pas très respectueux, quoi. Est-ce qu'on a de l'écriture? Non. Est-ce qu'on a de la glaciale? Non plus. Allez, montre-moi tes beaux dots. Montre-moi tes beaux dots. Allez. Allez, s'il te plaît. Magnifique. Donc déjà, on enlève le fantôme. Donc c'est pas empreinte. Ça a pas l'air d'être le MF5. On serait sur Yokai Déogène. Du coup, c'est orbe ou écriture. Donc ce sera un yokai parce que... C'est un événement. C'est un événement. Ok. Puisque le Déogène, c'est l'écriture, et là, il écrit pas. Il n'y en a pas de MF5. Ah si, attends. Ah non, mais c'était un event. Je vais chercher du sel. Je vais chercher du sel. Moi, je parierais sur un petit yokai, là. Petit yokai, ou alors, tu sais, le livre tiers 1, des fois, ça met un peu de temps pour écrire. Donc, merci à tous ceux qui mettent des likes sur YouTube, d'ailleurs. Donc on va tester avec le sel, hein. C'est le meilleur moyen de tester le spectre. Un peu de sel. On va même pas se faire chier, hop. Let's go. Alors yokai peut attaquer à partir de 80, donc si c'est un yokai, on a eu un peu de chance quand même. Ah merde, c'est vrai que ce sel là, il y en a que deux. J'avais zappé. Bah voilà, ça suffit je pense. On n'a pas d'écriture.
Il est où le bouquin? Attends, j'ai perdu mon bouquin. Ah mais il a acheté le bouquin. Le bouquin, je l'avais mis là, on est d'accord. Il a acheté le bouquin, donc il n'y a forcément pas écriture. Donc c'est Spectre Yokai. Donc ça, il a marché dans le sel. Donc ça peut pas être le MF parce que sinon c'est Spectre. Donc c'est un Yokai. Donc c'est l'orbe. Et l'orbe, on n'a pas la caméra. Voilà, des bisous, mesdames et messieurs. On peut se barrer, mais on va quand même le tester en chasse parce que c'est rigolo. Est-ce qu'on a la poupée? On n'a pas la poupée. La monkey peau. Elle est censée être là, je crois. Est-ce qu'on a la monkey? On n'a pas la monkey. Est-ce qu'on a la Ouija, le cercle? Le miroir. Eh ben voilà, très bien. On va claquer le miroir, on va faire le dindon. S'il vient pas nous tuer, c'est un yokai. S'il vient nous tuer, c'est pas un yokai. Faites le dindon, chat. Faites le dindon. Faites le dindon. Première fois que j'ai joué à This is the Ghost, quelqu'un a fait tomber sa clope allumée et a failli mettre le feu. À cause de moi, j'ai fait une phrase violet, ça a énervé l'entité, c'est vrai. Plus fort le dindon, chat. Plus fort. Il vous entend pas. Ah, vous êtes pas assez doué faire le dindon. Il vous entend pas. Il vous entend pas. Tant pis. On ne mourra pas durant ce défi de la semaine. Bon, bah, un défi de la semaine pas très compliqué, sympathique, hein, si jamais... Si jamais, voilà. D'ailleurs, ça me fait me rendre compte qu'ils ont enlevé... On peut plus mettre On peut plus mettre la luminosité vraiment abusée. Parce qu'avant, on pouvait vraiment mettre la luminosité abusée. Et là, je l'ai mis à fond, tu vois, je l'ai mis à 250, ça brûlait même pas les yeux. Incroyable. Merci énormément, YouTube, si jamais tu vois cette vidéo. Ça dure que 20 minutes, c'est assez court. Mais pourquoi pas? Alors, des fois, j'aime bien faire le mode défi sur d'autres maps. Mais je vois pas une map où ce serait vraiment intéressant. Parce qu'il n'y a pas d'électricité, pas de lumière. Sans électricité, ça peut être fun. Sans lumière, ça peut être fun. Mais les deux... pas vraiment, donc on va s'arrêter là pour ce défi de la semaine. Voilà, n'hésite pas à partager, commenter, à venir en voir sur Twitch hein, si toi aussi tu aimes et veux faire le dindon. T'as les liens dans la description. Des bisous.